Les plus gros marchés que nous avons pu réaliser ont été des marchés, je dirais, peut-être pas très importants en termes de chiffre d'affaires, mais très complexes. Je prendrai le cas de la voirie de San Pedro, qui est une zone très difficile parce que nous sommes dans une zone côtière et nous avons réalisé l'artère principale qui a été financée par le projet donc Banque mondiale, État de Côte d'Ivoire, également au niveau de Korogo, qui sont des marchés que nous avons acquis après appel d'offres où nous étions en compétition avec des entreprises internationales. Et nous avons remporté les marchés en 2014, ces deux marchés coup sur coup, que nous avons réalisés à la satisfaction des autorités. Et aujourd'hui, nous pensons que ça constitue des projets phares pour nous, en tout cas pour la zone urbaine, qui, pour notre part, constitue les travaux les plus compliqués. Compliqués en ce sens que vous devez travailler sous trafic, n'est-ce pas, permettre aux gens de pouvoir circuler et en même temps réaliser les travaux. Et donc, ces deux villes, nous avons réalisé les artères principales, et aujourd'hui qui font la fierté, n'est-ce pas, de ces localités-là. Donc, ça nous a permis de nous faire connaître et également de faire un saut en avant.